Bonsoir. Twing 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 twing. Ah. Waouh. C'est Silver. Il est 21h04. Non, il est 21h. Là, il est 21h01 maintenant là. Mais je vis dans un... Vous savez, on est passé à l'heure... C'est vrai que vous connaissez pas ça, mais moi, en gros, dans ma zone, on est passé à l'heure d'été. Et donc, on gagne 3 minutes. Voilà. On gagne 3 minutes. Et du coup, bah, c'est pour ça voilà, que le live commence à 21h03 au lieu de 21h. Mais il est 21h chez moi. Et c'est ça le principal. Salut à tous, c'est Philong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite du Iron Man. Deuxième épisode après l'échec sur Pokémon Blanc 2. On tente sur Pokémon version Heart Gold. Et on est plutôt bien. Merci de m'y faire penser. Gentil mais dur en même temps. Bon, alors, du coup, on est là pour la suite de ce magnifique Let's Play. Nous avons des nouveaux Pokémon dans l'équipe, hein, pour ceux qui n'étaient pas sur Twitch. Enfin, on a deux Pokémon, notamment. Et en vrai, ils sont plutôt cool. Déjà, on a trouvé Mucheltru. Donc, Mucheltru, en gros, c'est le cousin germain d'un certain Michel. Et il est pas du tout aussi fort. Lui, c'est le cousin de l'échec. Tu sais, on en a tous un. Dans chaque famille, il y a un cousin qui est un peu zarbi, tu sais, qui a des dreads, qui s'habille en sarouel, qui a comme seul objectif dans la vie de trouver une place à la ZAD à côté de chez lui. Enfin bref, voilà. Donc c'est lui, c'est Mucheltru, hein, le cousin. Bisous de Marie, Michel. Merci, Jamien. Mais il est là, il fait acte de présence, Mucheltru, on verra s'il peut faire quelque chose. Alors, n'empêche que il a méga sensu et on sait que un de nos gros problèmes pour l'instant, c'est de gérer les Pokémon roche, les Pokémon sol et tout. Donc on va essayer d'y arriver comme ça. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, nous avons Piu-Piu. Le petit Bulbizarre, alors c'est pas mon pseudo, hein. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein. C'est un... Merci Oro, merci beaucoup. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, le Pokémon, j'ai pas choisi. On a également Zoomdrong. Alors, il est un peu nul, mais pas si nul que ça. C'est un Pokémon avec Intimidation, et Intimidation, même si c'est un Pokémon niveau 1 qui fait Intimidation, bah ça marche, ça va quand même baisser les dégâts. Donc on peut envisager une situation où un Pokémon tape trop fort, on peut switcher sur Zoomdrong, faire l'Intimidation et re-switcher derrière, et ça peut peut-être nous aider dans cette game. Nous avons également Anti-Diable, qui est toujours là, voilà. Nous avons Baison aussi, évidemment, hein, la ville de Baison. Aucun rapport avec le fait que ce soit un garde-voir femelle, évidemment. Et enfin, la star de l'équipe qui a ses EV PV au maximum, 132 points de vie au niveau 34, c'est quand même vraiment stylé. Aéropic, éclair, cage éclair et atterrissage. Toujours pas de bonne attaque de type électrique, il en aura pas avant le niveau 50, je rappelle. Mais normalement, on devrait être pas mal quand même à ce niveau-là. Il a Aéropic, donc ça devrait aller. Et du coup, on a bien exploré. Et il faut qu'on aille faire le souterrain. Et ensuite, il faut qu'on fasse Blanche. C'est parti. Touliti, tu arrives à point nommé, Fifou. Il y a un costumier dans ce tunnel. On peut y habiller son Pokémon avec des accessoires. Merci pour le qui remonte le moral. Merci. Oh, j'ai eu un coffret mode. Je vais pouvoir habiller mon Elector. J'ai vraiment trop hâte, hein. Mets-le dedans. Vraiment, c'est le truc, personne n'a jamais utilisé ça sur Terre, hein. Si vous avez utilisé cette feature, vous êtes fan de Donjon Mystère, normalement. Des 5 minutes. Merci de ne pas m'oublier. Ah oui. Oh là là, il y a des bugs. Bonsoir. C'était bizarre, il y avait un Elector. Un membre de la famille de Germaine Trou.
plus petit que bah, on sait pas trop encore. Et il y a des dresseurs ici, donc faut faire attention. T'as des Pokémon avec toi, je me trompe. Ah, j'ai un Elector dans mon dos, mon bro. T'inquiète pas. Ok, Pijako. Ça va. Fan, j'adore ce que tu fais. Une date pour ton fangame ? Ouais, mon fangame sort demain soir. À 21h12, 7. Le 47 mois de février-avril. J'espère que vous serez chaud. Oh, voilà. On commence. Premier combat. On nous donne un peu le combat. Voilà, classique. Petit Tiplou, petite double faiblesse électrique. Parfait. C'est vrai, j'ai testé. Je suis fan de PDF. Ok. Ah ouais, non, c'est là. Ton Pokémon est absolument charmant. Si tu l'habilles, il sera encore plus méga charmant. Oh non. Bon, vas-y. Mais rapidement, hein. Tu es de ces gens qui veulent des explications ? Non. J'aime pas les... Vas-y, on va habiller... On va habiller Muchel ! Muchel ! Oh, mais non, il a rien ! Ok. Ouah, Muchel ! Oh là là, Muchel ! Muchel, il a des trucs dans les oreilles pour pas entendre. Il a une plume dans le cul. Et il a une moustache. Ah, voilà, c'est Muchel. C'est Muchel Trou. C'est vraiment, c'est lui, hein. Ah, Muchel. Je sauvegarde cette image. Accrochons la photo au mur. On va... Bah, comment on l'appelle ? Attends, non. Hein ? Bon, on pouvait pas. Sans titre, ça perd tout son charme. Ah oui, pardon. Politesse. On va l'appeler... Non, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Ça me gêne. Ta minette, la pauvre meurt de faim. Ah ouais, les croquettes. Merci beaucoup. Et merci pour les dons. Alors, la photo est accrochée au mur. Où ça ? Ah, elle est là. C'est ça, hein ? Ça me gêne. Ah, Muchel Trou, hein. Muchel Tru, hein, comme on dit, hein. Parfait. Oh non, je bug. C'est pas bien. Il y avait un Elector à gauche. Fais-tu attention au type des Pokémon ? Ouais, le type des Pokémon. Un Telogibus qui envoie un Meditica. Ça va des bonnes bolos. Allez, Aeropic. Donc. Muchel Tru. Franchement, c'est mon... C'est le meilleur pseudo depuis longtemps, Muchel Tru. Ok, c'est quoi comme chenizel ? Ah non, c'est le trash. Mais c'est un niveau 11 ! Mais les niveaux dans Heart Gold, je crois que c'est vraiment les niveaux les plus pétés de l'histoire de Pokémon. Tu peux affronter des... Tu peux trouver des Pokémon sauvages niveau 27. Et le gars, il se bat... Ok, c'est quoi la probabilité qu'il ait double chenizel, par contre ? Faible. Pourquoi ils sont si bas niveau ? C'est trop bizarre parfois. Hein. Je t'aime tellement, continue comme ça. Merci Devinette. Merci à tous. Allez, Léon Cruz, monte au niveau 35. Il apprend rien par level jusqu'à coup de jus au niveau 50. Si on arrive au niveau 50, on aura une très bonne arme offensive, mais pour l'instant, on n'a pas. Mais c'est peut-être notre chance qu'il y ait beaucoup de Pokémon bas niveau, en fait. Oh là ! Attends, je vois plus rien ! Petit passier. Pourquoi ça bug, la dosso souterrain ? Barbichette, tu me la tiens, je te la tiens, oh yeah. Merci à Fida Turner. Ah oui, il y a vraiment plein de dresseurs. Mon Pokémon s'est fait toiletter, regarde comme il est beau. Ah oui, c'est vrai, on peut faire toiletter nos Pokémon dans le souterrain, j'avais oublié. Ok, les mecs, on rencontre vraiment que des Pokémon nuls. J'ai envie de dire, c'est très mauvais signe pour la suite du live. Parce qu'en général, comme ça, il y a une sorte de... Ça fait la moyenne au fur et à mesure des Pokémon. Donc du coup, genre, ça veut dire qu'il va forcément y avoir un combat où il va y avoir deux légendaires ou trois légendaires. Je me suis fait du casino. Je me suis fait virer du casino, j'arrêtais pas de gagner. Tricheur, là. Ok, Karatrok.
Karatrox, ça va. Est-ce que ça donne de la... Est-ce que ça donne beaucoup de... Oh non. Ok, ça va, on le two-shot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de pression. Si ça lui avait infligé 40% de vie... Bon. Après, il a très très peu de points de vie, Karatrox, donc il y avait moyen de tanker avec un autre Pokémon. Ok, gros tas de morts. Donc lui, il avait... Pokémon un peu plus costaud, mais ça reste tranquille. Ouais, 21h30. Non, vous inquiétez pas. Bon. One shot, un gros tas de morts. Oh, allez, on cruise. Grr. Okay, il a juste des grr. Et ici, c'est là que... Ouais, on peut pas y aller encore. Ok, entrée interdite. Donc, le souterrain, il y avait 4 petits dresseurs. Ils étaient faciles, on a eu de la chance. Maintenant, il faut qu'on aille... Avant de faire blanche, il faut qu'on aille faire le... La tour radio. Ah oui, il y a la tour... Il y a la Team Rocket. Tu veux quoi? Dégage. Mais je suis gentil et je suis mignon. Oh, il y a Blanche. C'est Blanche, j'ai entendu dire qu'ils organisaient un quiz. Je suis venu, tu donnes ma chance. Il est trop dur, leur quiz. Vas-y, donne-moi les questions. Donnez 5 bonnes réponses pour remporter un coupon radio. Vas-y, go. J'ai tout défoncé. Oui. Oui. Non. Il utilise des noix grumes. Oui. On peut pas apprendre de CT à Magikarp. La chronique du Pokémon s'appelle-t-elle Lola? Oh, mais j'en sais rien. Je crois pas, hein. Yes. Elle s'appelle genre Lula ou Lila ou Jean-Pierre là. Hein. Ah, on va bien rire ce soir. Ah, super. Tu déchires. J'étais allé jusqu'à la troisième pression. Je pensais trop qu'on utilisait des noix grommes trop dures. Je vais me rentrer à l'arène. Pourquoi elle parle comme une paysanne? Parce qu'elle a un nez crémeux. Si Léon Cruz ne meurt pas, alors ah, c'est Lula. Bimbo. Comme le président du Brésil. Merci. Bah, on espère alors. Salut. Les berceuses, ok. Ah oh oui, c'est vrai, on peut écouter la... Ah non, la Team Rocket, c'est pas tout de suite. Non, ne t'énerve pas. On peut écouter la berceuse. C'est Buena, le mot de passe. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on peut avoir des points. Est-ce que... Oh, une carte bleue. Merci. Oh, Pintoul. Tiens, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si c'est à toi. Mais t'as trouvé ça où, mon bro? Mais merci. On peut pas aller plus haut. Ah oui. Le directeur est bizarre. Ok. Merci du fond du cœur, Pintoul. Oui. On va mettre la radio. Attendez. Je peux mettre la radio maintenant ou pas? Comment on fait déjà? Ah, c'est dans le Pokématos. Oh là, j'ai pas écouté la radio depuis une éternité. Radio. Oui. On peut changer la musique. Les gens qui ont utilisé cette feature sont des fans de Donjons Mystères. Non, j'ai même pire. Les gens qui ont utilisé cette feature sont des fans de Pokémon Ranger. Ok, vous êtes prêts? C'est l'heure d'aller se tabasser. Let's go. Ok. Allez, arène. Deuxième badge. Troisième badge. Est-ce qu'on peut avoir le troisième badge? Let's go. Petit passier. Fais de ton mieux ou je t'aurai. J'arrive pour te remettre à ta place, t'inquiète pas. Non. J'ai décidé d'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord. Ok, d'accord, niveau 24. Ok. Son plus haut niveau. Mais Léon Cruz a des niveaux d'avance. J'ai décidé que entre 21h25 et 21h45, on arrêtait de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça évite des problèmes. Parce que c'est vrai que le 21h30 est quand même revenu en force, hein, récemment là. Il y a eu une période où c'était pas très fort et puis en ce moment c'est vénère. Hein. Ok. Si Fidron glisse ce message, un Celebi Shiny apparaîtra à la place du Simularm. Bah voilà. On va voir si t'as raison. Ok. Natu, facile. C'est trop bien Pokémon Ranger. Non mais ça suffit les fans de Pokémon Ranger. Vous avez 30 ans maintenant. C'est un jeu de 2006. C'est devenu la S. Merci le vent des jours heureux. Le vent des jours malheureux.
Ce pseudo de l'enfer. Ne t'énerve pas, reste au calme, tu as changé. Ok. 22h04, Léon Cruz va canner d'un Rhinastock. Non, arrêtez. Mais pourquoi vous êtes hyper négatif parfois? C'est impressionnant. J'ai pas le droit au bonheur. Je suis pas venu pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tranquille. Regardez. Corboss, certes, c'est fort, mais il est niveau... Mais pourquoi il est niveau 14 alors qu'on vient d'affronter un Pokémon niveau 24? Je comprends pas, en fait. Parce que ça, dans le jeu, ça veut dire qu'elle a un Pokémon niveau 8, genre. Ok, Suicune. Ouh. Est-ce que vous pensez qu'on one-shot un Suicune? Non. Est-ce que vous pensez que Suicune a voile miroir et que je viens de me... Non, ça va. Il a Bulldoze, cela dit. Oh, ça va. Oh, Léon Cruz, let's go! Ok. Bon, le fait que Éclair soit notre meilleure attaque, c'est quand même un peu sad, mais le Suicune niveau 24 va nous faire passer un level, je pense. Ah non, what? Oui, je rappelle qu'on a les restes, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ok, Lilia. Il a un Pokémon niveau 14, 20 et 24. Merci de me redonner le smile tous les lundis plus petit. Merci, Bilak Bisharp. Je suis là pour votre début de semaine difficile. Ok. Oh, par contre, on voit que l'XP commence à être longue. Hein. Voilà, il apprend chargeur, mais en vrai, chargeur... C'est pas si mauvais que ça. Techniquement, ça booste les attaques électriques. En fait, c'est comme une sorte de plénitude juste pour une attaque électrique, mais tu peux en utiliser qu'une seule, en fait. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Donc, c'est à la fois pas si pire et à la fois pas ouf, quoi. Bon, attends, on y va comment, là? On voit rien. Ok. Par où je passe? Oh non, le labyrinthe. Le labyrinthe de la troisième arène. Mais comment? Ah, par là. Ah, mais voilà. Non, mais c'est bizarre un peu. Tu ferais bien de te méfier des filles. Ah bah t'inquiète pas, j'ai 34 ans, je me suis fait casser la gueule par pas mal de relations. Oh. Vous inquiétez pas. Ah bah Fiel Jennifer, elle avait un Nobali, donc ça va. Mais réveille-toi, connard de Togekiss de merde! Oh, Mordra, merci beaucoup! Je t'y kiffe, Fifou. Petit cadeau. Mon frère s'est marié, je suis. Ah, bravo à ton frère! GG. Petit passier. Tu devrais essayer Pokérock, tu vas kiffer. PS, je passe à la télé, Léane. Oh, Léane, regarde, il passe à la télé. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu Pokérock, il faudrait que je jette un œil, ouais. On va regarder ça. Passier. Ah, par contre, l'XP ça monte plus, hein. Donjon mystère, le ranger te protéger et te montrer la voie. Le ranger te protéger. Je sais toujours pas c'est quoi l'attaque qui fait le plus mal entre aéropique et éclair. Je pense que les dégâts doivent être assez kiff-kiff et c'est vraiment une question de. On va quand même aller soigner. Je sais que j'ai pas perdu de PV, mais il y a quand même une histoire de PP. J'ai pas envie de me faire pépé stall ou je sais pas quoi. C'est difficile de dire ce qui fait le plus mal en vrai. Hein. Parce que d'un côté t'as 40 de puissance, de l'autre t'en as 60. Donc c'est quand même supposé faire quand même 50% de dégâts en plus aéropique. Mais on a une telle différence entre l'attaque et l'attaque spéciale. Parce qu'en gros, on a 80 en attaque, 110 en attaque spéciale. Je pense qu'aéropique fait légèrement plus mal. Mais en gros, c'est si le Pokémon a une grosse défense spéciale, enfin une meilleure défense spéciale, je vais avoir tendance à faire... Oh, mais j'arrête pas de me perdre. C'est bon.
Ça va dépendre plus du Pokémon en face que des dégâts que je fais. Game over et début du Let's Play Iron Man Donjon Mystère. Oh non, pitié. Un Iron Man sur Donjon Mystère. Dieu me préserve. Oh, il y a Célesta qui m'appelle. Je vais prendre ma voix un peu stylée. Allô. Tu te promenais avec Maril. Moi, j'aimerais me promener avec toi, Célesta. Et s'il suffisait que je me retourne pour qu'il commence à évoluer? Et s'il suffisait que je me retourne pour voir ton doux visage? Mais évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Fais attention, Fifou. Au revoir, Célesta. Attendez, Célesta, elle a quel âge? C'est un peu tard pour demander, non? Allô? Maintenant que t'as testé le Iron Man, tu penses t'ouvrir à plus de challenge? On voit que j'ai pas trop changé, parce que quand je vois ce genre de questions, j'ai envie de parler de sa mère, mais... Mais je le ferai pas. Elle a pas 12 ans. Oh! Mais c'est compliqué! Écoutez, Fildrong fait des vidéos. Fildrong 78. The Fildrong 78. Trop jeune. Ça va, j'ai rien dit. Vous êtes bizarre un peu, vous. Ok, bon. Allez, next. Allons, enfants de la patrie. Ah oui, c'est là. Putain, c'est l'architecture du truc. Mais je sais pas sinon, en vrai, pour répondre à ta question, je sais pas encore si je vais sûrement faire d'autres challenges. Ok, allez, c'est parti. Blanche. Bianca, comme on dit. Troisième badge. Ouais, c'est moi, Blanche. Je te connais. T'étais à la tour radio. T'as vraiment assuré. Tu t'occupes de Pokémon, hein? Moi aussi, j'adore. Je les trouve trop mimi. Tu veux te battre? Mais je suis grave forte. Oui, bah, on connaît ton écrémeux, Blanche. Mais là, t'as pas écrémeux. Imaginez, elle a un écrémeux. Ok, Carabaf en premier Pokémon niveau 26, c'est littéralement un Pokémon offert. One shot. Blanche plus 21h30. Vous allez voir, vous faites les malins. Je vais battre Blanche avant 21h30. Ce soir, là, je le sens, c'est l'épisode du Let's Play où on prend la confiance. Et le... Regardez. Alors attendez, je vais quand même vérifier, est-ce que Milobelus a voile miroir à ce niveau-là? Milobelus, c'est quand même très bulky, certes, mais... Non, il a pas voile miroir. Il a pistolet... Il a rien. Alors, tu vois, Milobelus, là, il y a débat. C'est quoi qui fait le plus mal entre éclair et... Pas de confusion ce soir, parce que c'est parfait ce soir. Tout va bien ce soir. Oh. Hop. Même pas mal. Ok. 3 minutes. Ok, on a 3 minutes pour battre Blanche. Il nous reste un Pokémon à vaincre après ça. Elle a envoyé son Milobelus. Si elle a envoyé son Milobelus sur un Pokémon électrique, c'est qu'a priori, elle n'a pas vraiment d'avantage de type. Donc je dis, son dernier est encore pire. Et je vais le one-shot. Let's go! Triple type O contre Elector. Bah alors, Blanche, on est une grosse merde. C'est mon dernier, ça veut rien dire. Oh! Oh, la double faiblesse! Allez, sayonara! Il est 21h28! Let's go! Troisième badge! Let's go! Mais ouin! T'as pas le droit, ouin! Oh là là! Bon, attends, vas-y, elle va me dire gna gna, va lui parler. Blanche a fait son caprice, elle s'arrête au bout d'un moment. Ok, elle a fait son caprice. Quoi encore, le badge? C'était la reine O. Ok. 21h30. Pas de 21h30. Elle me donne attraction. Ça me va vachement bien. Ouais, ok. Le Pokéathlon. Oh, on ira au Pokéathlon. Après, sur Twitch, on ira au Pokéathlon.
si vous êtes sage. Si vous êtes sage, on ira faire un tour au Pokéathlon pour combattre avec... Je sais pas si on peut gagner des avantages au Pokéathlon. Reste au calme, tu as changé. À Skip, si on faille 14 963 156 dont à Fifou, un Celebi Shiny apparaît. Tu confirmes ? Oui, mais c'est rare. Oh, j'ai même pas perdu de... Les gars, je suis full life. Oh, Acta Squad, mais vous avez quoi ? PS, coucou papa. Coucou papa, merci beaucoup. Regardez ! Attendez, non, il faut qu'on prenne le, l'arrosoir à Simularbre. C'est là. Il faut qu'on puisse arroser. Salut ! On dit qu'un arbre brisa, il se mettra à danser. C'est le badge de la reine, tu as battu blanc, je n'ai plus de soucis, je peux traiter ce carapuce à eau. Nice. Ok, ok. Je sens ce soir, c'est le live de la prise de confiance. Il est 21h30, j'ai pas de combat. J'ai littéralement pas de combat. Désolé, c'est genre... La 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 la... Je n'ai pas de combat à faire. Je les ai... Salut Bimbo! Je les ai tous faits. J'ai fait tous les combats. Il esquive 21h30. Mais j'ai même pas fait exprès d'esquiver 21h30. J'ai battu Blanche trop vite. J'y suis allé en mode il est 21h25, il va se passer quelque chose. Mais non, il se passe rien. T'es pas à l'heure d'été? Oh, peut-être que 21h30... Vous pensez que 21h30 n'a pas fait le changement à l'heure... N'a pas fait le changement? Peut-être que 22h30 est l'heure à surveiller ce soir. Non, mais je les ai fait regarder. Les mecs, si la semaine dernière, j'avais pas fait ce dresseur, il aurait été 21h30 et je me serais tapé un Mewtwo. Alors, on a eu le Pokémon de zone ici, hein. De type passier. Est-ce que j'ai eu le Pokémon de zone Pokémon Clover STP? Wouah, boule de neige, j'aurais trop aimé. Attendez, j'ai fait le Pokémon de zone ici, hein. Oui, c'est la même route. Attendez, est-ce que j'ai fait le Pokémon de zone ici? Merde, la team Twitch! Parce que moi, je veux bien un boule de neige dans mon équipe, hein. C'est méga fort, boule de neige, hein. C'est mieux que Michel Tru. Par contre, ça fait beaucoup de types plantes, mais... Je crois que je peux ni le tuer, ni rien, hein. Passier. C'était pas un Celebi, mais c'était presque un Celebi. Joyeux anniversaire, Fifou. Un avis sur c'est la pas prostitution. Mon anniversaire. J'ai pas d'avis sur la prostitution, les boys. Mais. T'as trop de dons, qu'est-ce que c'est que ça? On en parle qu'il faut un badge pour prêter un arrosoir. C'est pas une arme. Mais c'est un arrosoir précieux. Merci beaucoup pour le don. Oui, j'ai eu mon Pokémon de zone, ok. C'était rigolo. Oh, un plant de baie. Oh, on va pouvoir remplacer! Tu peux faire pousser des baies. Est-ce qu'on a le droit de farmer les baies au rang pour avoir des... Est-ce que j'ai le droit de planter les baies au rang pour avoir une infinité de baies au rang? Oh, le génie. Là, je peux revenir en arrière, du coup. Ah, j'avoue. Bon, on verra. Je pense, j'ai des doutes, hein, quand même. Hein. Ça me... Oh, on a une hyper potion. On a une potion dans notre inventaire. Conseil au dresseur. La capacité tunnel, ok. Route 37, Pokémon de zone, c'est parti. Ok, il y a du Blizzaroi niveau 23. Oh, est-ce qu'il a alerte neige? C'est à la fois très très fort, mais à la fois très dangereux. Non, on va accélérer un peu. Il y a Chaffreux. Il y a Créelf, on peut pas le capturer. Il y a Bastion. De type... Non. C'est facile de tromper. Je vais rentrer tard du travail. Mon portable a plus de batterie. Merci beaucoup, Vincent. Allez, sans coquille. Sans coquille, c'est type O, hein. C'est pas type O au sol. Ça, c'est bien. Mais pourquoi vous me faites des gros dons ce soir? J'ai rien fait. Merci Pompe Moldar. C'est, par contre, c'est quoi ce nom? Ah, j'ai oublié le vélo. Tu ressembles beaucoup grave à mon père qui est parti acheter du lait. Reviens papa. Oui, c'est moi. Flagadon.
GADOS. Ok, on veut un flingue GADOS. Non mais arrêtez, je vais pas jouer à Pokémon Ranger. Quoi, attendez, non mais flingue GADOS, je veux flingue... Oh, oh, il y a un Léviator possible. Il y a Blizzy. Flagados, pour l'instant, c'est le plus propre. Oh, Flagados. Flagados. Oh, Flagados, c'est obligatoire, les mecs. Hein. C'est Joe Espoir, il est revenu, il a changé de let's play. Le retour de Joe Espoir. Attendez, il faut pas que je le tue, parce que si je le tue, je rappelle, je peux pas en avoir d'autres. Hein. Bon, normalement, ça tank aéropic. Je vais le crit. Je vais le crit. Non, je crit pas. Ok, on arrête. C'est Joe Espoir, c'est Joe Espoir, c'est Joe Espoir. Oh, le lore des Iron Man. Ok, on a plein de balls. J'ai 9 hyper balls. B plus 20 et normalement 100% de chance. Y a pas des niveaux plus hauts. Je pense pas, non. C'est pas très haut niveau, hein, les Pokémon sauvages, hein, dans Heart Gold, Soul Silver, hélas. En fait, le niveau 27 qu'on a eu, c'était au concours d'insectes, donc ça trichait un peu. Tu peux avoir des plus hauts niveaux. Oh là là, let's go! C'est Joe. Espoir. Bon, on rappelle que Joe Espoir n'a jamais réussi à être vraiment un espoir, hein, mais bon. Je peux planter des baies là? Non. Plutôt couscous. C'est bon le couscous. Il y avait Kaorin aussi, j'aurais peut-être. Non. Ok, combat double. Ok, alors le combat double, on va mettre Michel Tru. Non, 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 attends. Le combat double, on met Bulbizarre. Parce que Bulbizarre, j'aimerais bien qu'il prenne de l'XP pour devenir un Herbizarre et éventuellement devenir un Florizarre. Parce que si on arrive à avoir Florizarre niveau 32, ça peut être très très bien. Abort the mission! Abort! Abort the mission! J'ai abri ou pas? J'ai pas abri. Cette fois-ci, je serai utile, promis. Michel! Michel, le cousin raté! Vas-y, mon Michel! Et un Nuzlocke sur Pokémon. Oh, vraiment le match-up le pire! Peut-être un jour je ferai ça, ouais. Bisous, ok, piou-piou. Ok, c'est bon, il a que Flamèche. Il m'a burn quand même! Premier don pour fêter que je suis pris dans mon école. GG! Allez, force nature. Non, étonnement. Je sais pas ce que ça fait. Norbert a un Stilix niveau 36 avec éboulement. Arrêtez, vous êtes négatif. C'est bon, c'est sur Léon. Michel! Michel qui inflige de dégâts. Michel! Oh là, Michel, c'est dur, quoi. Michel! C'est un peu difficile pour Michel, mais ne soyez pas méchant avec Michel, c'est le cousin raté de Michel. Ok, il faudrait que on ait un... Franchement, même Herbizarre, ce serait stylé, je pense, à ce stade-là. Ah ouais, mais ça va être long, hein. Ça, c'est un combat double ou pas? J'y suis allé à l'arrache. Je savais pas qu'il faisait ça, je croyais que c'était que dans Emerald qu'il y avait ça. Oh non. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, ils ont... Ok, Arco et Abo, ça va. Oh non, il va m'intimider le Abo, c'est sûr. Putain, c'était sûr ça. Ok, on va faire Aeropic sur Arco. Trancherbe. Oh, la vive griffe de Piu Piu! Piu Piu! Let's go! J'ai mis la vive griffe, j'avais oublié. Oh, mais ça fait mal! Mais. Piu Piu?
Piu-Piu gagne des bonus. Aïe. Courage Piu-Piu, c'est bon. C'est quoi tes prochaines conventions? Ce week-end, je suis à Charleville-Mézières. Ok, il faut qu'on tue le Nosferalto. Le week-end c'est suivant, on, je, pardon, le 4-5 mai, je suis au Gala TCG. Quelle est ton actrice préférée? Bah ta mère. C'est quoi cette question bizarre? Je voulais m'excuser envers toute ma communauté. Mais c'était gratuit aussi. Le mec, non mais en vrai, le mec tend le bâton pour se faire battre. Faut quand même être honnête deux secondes. Le mec l'a un peu cherché. Allez, tranchère. J'ai changé. Non mais... C'était pas vraiment... J'ai changé là, ça allait quoi. Ok, parfait. Et là normalement je pense qu'il y a un monde où Piu-Piu prend un level et évolue. Oh mais... La vive griffe de Piu-Piu, il est si rapide! Et oui, le 1er juin, je suis au TCG, Belgium TCG. Ah non, Piu-Piu n'a pas pris de level, dommage. Ah, oh, il doit être tout prêt de prendre un level, là. Il doit... Moi, je pense qu'il lui manque genre 100 d'XP, même pas. Ouais, 200 d'XP, aïe aïe aïe. Faudrait juste un Pokémon. Y'a pas un nom de combat double, là? Non. Non, mais les zones sont toutes petites, vraiment, dans le jeu. On est déjà à Rosalia. On est déjà à la 4ème arène, en fait. Joyeux anniversaire, Quentin. Merci, fan de Rédemption. Je préfère qu'on m'appelle Fifou ou Fildrong. C'est Léo. Il y a une fille là-bas qui s'appelle Annette. Oui, merci. Oh, super. Merci, Léo. Oui, oui. Mais à quoi il sert? À quoi ça sert, ça, les gens qui te parlent de leur boîte à la con, là? On s'en bat les couilles, en vrai. Alors, on peut prendre Slowbro dans notre équipe, et ça, c'est bien. Déplacer Pokémon. Attends, ça, c'est la boîte des morts. Faut que je fasse attention. Voilà, ça, c'est la boîte des vivants. Il est pas mort, Ortide, hein, on est d'accord, hein? De type à chier. De type à chier. Ok. Voilà. Il est niveau 23. Il donne Evoli. Mais j'ai déjà eu un Pokémon, je crois. Ah non, j'ai eu Bulbizarre, c'est vrai, vous avez raison. Bah, j'irai le chercher après. Vous m'y ferez penser. Oh, il a une bonne nature. Mes caca m'arrache le fion, as-tu un conseil? C'est quoi ça? De type à chier. Piu-Piu, c'est pas un cri. C'est le bruit quand il passe tellement il va vite. C'est vrai. Merci. Salle de danse de Rosalia. C'est pas là qu'on affronte les kimonettes là qui sont super durs. Hé! Oh non, c'est vrai! Ça suffit ces trucs nouveaux, je veux du tamur! Attends, c'est quoi du tamur? Tamur. C'est le nom de la déclinaison moderne de la danse tahitienne désignée localement sous le nom de Hori Tahiti. Merci. Bon, attendez, on va apprendre... Apprenons avec Fildrong. Attendez. Donc là, le mec de la Team Rocket, il veut ça, en fait. En fait, c'était Alola... C'était Alola Cold, quoi. Putain, c'est trop bien, j'ai envie d'aller à Tahiti maintenant. Parfait. Mais vous savez quoi, on en apprend tous les jours avec Fildrong. Et c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir. Ne pourriez-vous cesser ces harassantes exhortations? Mais je comprends bien pourquoi elle veut pas la kimonette faire du tamur. Parce que bon, c'est une danse quand même assez olé olé quoi. On veut pas faire plaisir aux clients. Il faut te faire un dessin, je vais te montrer. What?
What? Il s'est fait casser le cul, non? Il nous fait quoi, le sbire? Porte-lui secours! Si seulement j'avais pas mal au ventre, j'apprendrais la politesse à ce sale type. La danseuse, je comprends rien à ce qui se passe. À l'attaque! Qu'est-ce que tu veux? T'es là pour me pourrir mon groove? Ça va, Cusco? Vous avez pourri le groove de l'empereur. C'est la déroute. Oh non. Je suis pas un monstre. Ça va pas le faire si on découvre que je suis là à glander alors qu'on a un super plan en route. Je vais redevenir le sbire d'un sbire. Meilleur streamer, mais chut, je suis censé économiser. Merci Rirou. Tu t'appelles Fifou? Ta victoire fut éclatante. La manière dont tu as élevé tes Pokémon avec douceur et fermeté. Ça, c'est moi, ça! La main de plomb dans le gant d'acier! Non, attends. À n'en point douter, tu es... Fildrong! Oublie ces derniers mots, ce ne sont que mes équilibrations. Mes équilibrations. Mes équilibrations. Incroyable, malgré ton âge, tu as du courage à revendre. Bah, c'est pas... Et ainsi, surf. C'est genre, elle est où la logique? Quel plaisir de revoir. C'est vraiment, tu sens qu'il y a même pas de scénario. Il a juste dit... Non mais, tu sauves une kimonette. Merci beaucoup pour le don. Et le gars te dit, voilà surf. Grâce à surf, tu peux aller sur l'eau. C'est vraiment, il y a même pas de scénario en fait pour surf. Bon alors, vraie question. Est-ce qu'on met surf? Je pense que si on met surf, on enlève... Je pense qu'on enlève KG Claire et on... Je pense qu'on enlève... On est obligé de mettre surf à Léon Crouz, c'est trop fort. 90 de puissance, sans problème. Touche deux cibles en duo. Bon, on touche aussi mes Pokémon qui vont mourir, mais bon. La question, c'est est-ce qu'on enlève Éclair qui est stabé, certes, mais qui n'a que 40 de puissance. Donc du coup, avec le stab, on est... Surf, c'est quand même plus mal, en fait, que Éclair avec le stab. Aéropic, je pense pas qu'on puisse l'enlever à ce stade-là du jeu. Parce que c'est notre meilleur stab. Les sprites ont disparu. Ah, vous voulez un sprite d'Elector ? Je suis gentil, regardez. J'en avais un dans ma corbeille que j'avais utilisé pour la miniature. Je suis pas gentil, mettez des cœurs et des likes. Ok. Tu te sers de KG Claire. Ben en vrai, je pense que j'oublie KG Claire. Hein. T'apprends pas coup de jus? Bah, coup de jus, ce sera à la place d'éclair. Je pense que c'est bien de garder un truc super efficace sur le type vol, un truc super... Le type électrique, c'est quand même très fort. Ça passe le type eau, ça passe le type vol. C'est quand même... ça fait partie des bons types offensifs. Pourquoi j'oublie un des types sur lequel c'est super efficace, ce type électrique, d'un coup, là? What? Attends, mais je suis débile ou quoi? Bah, Fildrong, la table des types. C'est super efficace sur... Bah non, c'est ça, sur que deux types, en fait. J'ai rien dit. C'est juste que c'est neutre partout. Ok. On a mis surf, en vrai. Je pense que c'est fort, surf. Je pense qu'il faut mettre surf. Ça veut dire que maintenant, Rhinastock ne nous fait plus peur. C'est ça, tu vois. Oh, une chasse au trésor. Tu as tout compris au sens de la vie. Oh, le cherche-objet. Mais nous, on a une solution, mon bro. J'ai entendu dire qu'il y avait des trésors dans la tour cendrée. Ok, il faut qu'on aille dans la tour cendrée. On peut aller vaincre Mortimer ou pas tout de suite? Salut! Qu'est-ce que tu veux au champion? Il est parti faire une balade à la tour cendrée. Il m'a poussé! Oh, le papy! Eh, retourne à l'EHPAD! Eh! Viens me battre! Quoi? Reviens ici tout de suite. Techniquement les mecs,
si je continue à y aller, à un moment, il va mourir de crise cardiaque. Mais bon, on n'a peut-être pas le temps d'attendre qu'il meure de vieillesse, c'est vrai. Bon, il faut qu'on aille à la tour cendrée. Salut. Oh, il y a un petit... Oh, vous avez vu? Attendez, j'avais jamais remarqué, regardez. Il y a un petit... Il y a un petit ratatac en haut à droite. J'avais jamais remarqué. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Oh non, pas lui! Non! Le pire personnage! Avec Belladonis, c'est les deux pires personnages de la Terre. Est-ce qu'il y a un jeu où il y a à la fois Eusine et Belladonis? S'il y a Belladonis dans Earth Gold Soul Silver, ça veut dire que, techniquement, Earth Gold Soul Silver est le pire jeu de tous les temps. Mon nom est Eusine, c'est pour dire un Pokémon appelé Suicune. Il y a Suicune. Ah putain. Je suis le champion d'arène de Rosalia. Mon vieil ami Eusine est venu ici en suivant Suicune. J'ai décidé de l'aider. Suicune. Oh oui, il y a des Pokémon de zone ici. Fifou, merci pour ta joie de vivre et ton humour qui nous terrasse tous. Merci. Merci Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Mamochon, c'est stylé. Terrible, oh, il y a mon rival là. Oh, il y a Galam aussi. Putain, c'est stylé. Salut. Ah, il s'appelle Calme, c'est vrai. Laisse-moi deviner, tu voulais te la jouer en attrapant les Pokémon légendaires? N'y pense même pas, écoute bien. Les Pokémon légendaires sont pour moi, parce que j'ai juré de devenir le dresseur le plus puissant du monde. Contente-toi de trucs à ton niveau, comme devenir sbire de la Team Rocket. Ça va, Edgy Boy? Et dire qu'on l'aimait bien, ce rival, à l'époque. Oh, il a 5 Poké, quand même. Hein. Et vous voyez, et là, maintenant, j'ai plus peur de Cochignon, niveau 30. Parce que j'ai Surf. Bah, sachez que Elector... Oh, il avait la baie Pomo. Sachez que Elector avec Balle Météo sous la reine, c'est extrêmement fort. Donc tu lui donnes Surf alors qu'il n'est pas supposé l'avoir. Clairement, il va pas se plaindre. Tu vois, là, Bastiodon. Là, t'es en mode, oh non, Bastiodon, c'est difficile à tuer, tu vois. Attends, je vais quand même vérifier s'il a Fulmifère à ce niveau-là. Avant de me faire Fulmifère et la gueule, là. Sinon, je le prendrai assez mal, je vous avoue. Non, mais j'ai écrit... Attends, Bastiodon. Non, il a pas... Il apprend Fulmifère au niveau... Au niveau 43. Oh. Oh. Oh, Surf. Léon Cruz Surf. Pourquoi il peut apprendre Surf? C'est une... c'est de la triche. Je suis un tricheur. En fait, dans cette ROM, pour pas que je puisse être softlock, je peux apprendre toutes les CT sur tous les Pokémon. Toutes les CS sur tous les Pokémon. Mais du coup, pour la plupart des CS, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que pour Surf, qui est la meilleure attaque spéciale de type O quasiment que tu puisses trouver. Voir, en fait, si t'es une meilleure attaque de type O en aventure que Surf, en vrai. En vrai de vrai, je sais pas hein, s'il y a mieux. Hein. Je sais vraiment pas s'il y a mieux. Oh oh. Oh oh. Oh, ça va. Il a fait stockage. Hydrocanon? Ah non, hydrocanon, non. Ébullition? Je sais même pas si ébullition est mieux que Surf. Hein. Surf est plus mal, ébullition. En aventure, tu veux one-shot les Pokémon, donc tu cherches la puissance plutôt que le burn. Hein. Non, je pense pas. Hydrocanon, c'est de la merde en aventure, parce que 5 PP, ça peut rater. Non, non. Cascade? Bah, techniquement, Surf est mou. Il a fait patience, il est mignon. Au revoir. Mais en fait,
c'était une question rhétorique, hein. Y a pas de réponse, y a pas de meilleure attaque que surf, en fait. Fais comme tu veux, t'as aucune chance de capturer les Pokémon légendaires. Il me pousse. Oh, y a Eusine. Eusine, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis? Suicune, Suicune. Oh, y a un crache-feu. Attendez. Salut. Suicune. Oh, franchement. Y a plus beaucoup de Pokémon qui résistent au combo, là, hein, j'avoue. Il m'a fait bluff. Au croupi. Mais pourquoi vous cherchez? Je vous dis qu'il n'y a pas mieux. Arrêtez. Au croupi, ça rate en plus. Oh, c'est crache-feu Pipo. Oh, il y a Pipo et Bimbo, je savais pas. Donc là, ma meilleure attaque maintenant, c'est de très loin, c'est Surf, qui fait beaucoup plus de dégâts que toutes les autres attaques. Mais MDR, c'est moi la meilleure attaque. Mais non, Ébullition, t'es la meilleure en strat, toi. Mais comme les dresseurs adverses ne switchent pas... Bon, en vrai, on a bien fait quand même de garder Éclair. Hein. Je pense vraiment que le KG Éclair... Hein... Je vois pas trop dans quel monde ça nous sert vraiment. Écume stabée. Onde originelle. Je sais même pas si onde originelle est supérieure à surf. Parce que tu veux vraiment pas rater tes attaques, en fait. Défense plus. Massuliane. Ouais, bon. Massuliane, ok. Mais il y a un seul... Oh! Le petit Mew. Mais j'ai pas le droit au légendaire. Dit-il alors qu'il a un Elector dans son équipe. J'ai le droit d'avoir Elector. Mais pas le reste. Je m'entraîne à cracher du feu dans la tour cendrée. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Aucun respect. En vrai, elle peut encore cramer la tour. Vivement coup de jus, c'est niveau 50. Ouais. Gicledo. Non. Mais arrêtez. Gicledo, il n'y a que 5 PP. Vous êtes inferno, hein. Vous m'écoutez pas, hein. Oh, la Béchartie. Là, c'est sûr à 100% qu'il y a un objet caché. S'il n'y a pas d'objet caché derrière ce truc, je vends ma chaîne YouTube et je deviens professeur de taekwondo. Trop bien, je vais pas avoir à vendre ma chaîne YouTube. Putain, c'est trop bien, on a eu une baie et tout. Oh, c'est trop génial. Non, tu n'avais pas droit, c'est une honte cette run. Oh non. Tout est toutou. Ouah, celui qu'une qui va me regarder dans les yeux. Salut. Suicune! 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 Je suis vraiment le pire perso de la Voie lactée. On a force à ce niveau-là ou pas? Non. Ouh! J'étais sur le point de dire, à la limite, on peut ne pas capturer de Pokémon ici et puis aller chercher le Pokémon qui sera à la place de Suicune et qui sera sans doute plus haut niveau. Mais on n'a toujours pas notre base de niveau 25 et tout. Archéodong, extrêmement fort. Des résistances très utiles, type acier et tout. Sûrement mieux que Zoomdrong. Hein. Bézon, il a téléporte après. Ah, c'est vrai que Bézon sert à rien à part téléporte, quoi. Je pense qu'on le prend juste pour le deux types acier. Par contre, ça va être plus dur à capturer maintenant que j'ai plus KG Éclair. C'est vrai que pour la capture, ça va être plus dur. Oh, il a Onde Folie en plus, c'est parfait. Chef Kiss. Deux types acier. On a une sombre ball. Trempette plus grand que Hall.
Les trompettes, c'est type normal, c'est pas type haut. Et ouais, les boys. Et ouais, les boys. J'ai été deuxième au challenge de New Titeuf. Sur 8. Devant Mijirachi. Et Rédemption. Et Sifano. On va l'appeler... Ding. Et si on l'appelait Tralala ? Oh là là ! Vous vous rappelez de ces chansons ? Oh, c'était vraiment les mimes de il y a longtemps. Oh, you touch my Tralala. Oh, j'ai envie de l'écouter. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Célesta ? Allô, bonsoir. Attends, j'ai un truc à te dire. Célesta ! Non, elle a 12 ans, j'avais oublié ! Célesta, je voulais pas que tu touches ma tralala. Monsieur l'agent, c'est pas moi ! C'est Gunther ! C'est la vidéo YouTube ! Oh non ! Pas avec Célesta ! Suikune, viens ici que je te bute en bipé. Merci Yoko. Je voulais m'excuser envers toute ma communauté. Ok. Alors, en vrai, on va enlever... Je sais que téléporte, c'est pratique, mais bon, c'est quand même moins utile que... Quand même moins utile qu'un archéodon niveau 24. Tralala. Hypnose, possessif, onde soli et extrasenseur stabé est pas mal. Onde folie notamment. Hypnose, très pratique. Oh, you touch my tralala. Ok. C'est pas maintenant que t'affrontes les kimonettes avec leurs évolis et tout. Oh non, pas ce mot, j'aime pas. Ah oui, tout bugué. Allez, en avant. Quatrième badge. Speedrun à 10%. Hein. Cinq pokés. Tu vois, les Pokémon électriques, on les passait pas avant. Avec Surf, il meurt. Il a pas Levitate. Oui, mais c'est pas grave, on a déjà une immunité sol. Peut baisser la vitesse et tape aussi en double. Plus petit que 3. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, t'as raison. T'as raison. Tu vois, c'est pareil. Un Donphan avant, c'était problématique. Maintenant, Surf. Ok, ouais, bon, on a bien fait dans le VKG, clair, vraiment. Léon Cruz niveau 39. Qui peut tuer Elector là? Un Elector niveau 39 avec Surf, Éclair, Aéropic. Qu'est-ce qu'il pourrait tuer? Dialga, ça pourrait être très difficile, hein, Dialga. Dialga, c'est difficile, je pense. Certains légendaires restent difficiles, je pense. Mais ouais, peut-être Dialga, c'est notre gros match-up méchant, là. Ouais, je pense que Dialga, c'est vraiment le Pokémon le plus difficile, actuellement. Après, Deoxys... bon, ça va, c'est le défensif. Lanturne... Non, mais Lanturne ne nous fait pas très mal, quoi. La question, c'est pas qui résiste à nos attaques, c'est qui peut nous battre. Ok. Ah oui, c'est vrai, on peut tomber, je suis con. Normalement, on voit rien ici, hein, mais bon, c'est un peu bugué. Dans Mortimer, il y a mer. C'est vrai, et il y a mort aussi. Casser l'ambiance.com.
C'est pourquoi il a pris. Elle a pris la voix des dons racistes. Elle a pris un accent italien nul. Vous savez, il y a deux types de profs. Faux. Biploubou. Rhinestock plus ceinture force plus roc boulet. Ouais, il peut toujours y avoir d'arnaque. Après, en 4G, il n'y a pas fermeté, donc ça, c'est bien. Ok. Franchement, par rapport à... Par rapport au run avec... Franchement, on a une chance, hein. On a vraiment une chance, je pense, dans ce let's play, hein. Si je fais pas le fou... Si je fais pas le fifou... Ce qui m'arrive souvent, hein, vu que c'est moi. Je pense vraiment qu'on est... Parce que là, on a la technique, on a le bon Pokémon, on a atterrissage, donc on outrepasse un peu toute la logique de pas de potion. On a pression. Tu vois, même Dialga, en vrai. Dialga, on tank. On a juste à tanker 3 attaques dragon et c'est bon. Parce qu'il y a 5 PP. Ça n'a rien à voir avec la 5G. Je pense que c'est faisable. Mais si je perds Elector, c'est mort. Tu vois? Si je perds Elector, c'est mort. Dans 6 niveaux, coup de jus. Non, c'est au niveau 50, il me semble. Elector. Elector, il apprend coup de jus au niveau 50. Ah, mais surf, quoi. Et j'ai les restes en plus. J'ai les restes. Eh, tu vois, il y a certains Pokémon que je tue pas. Mais bon, ce qui fait vraiment mal, quoi. La 4G est très facile. En fait, En fait, vu que le défi de fin, c'est Red qui va avoir des Pokémon niveau 100, techniquement, c'est pas si facile. Mais oui, je pense que tu vas avoir une partie du jeu qui va être faisable, quoi. Cher pédo. La 5G, il y a beaucoup plus de dressage. En fait, ah merde, attends. Attendez. Il est plus rapide que moi parce que Vanglas... Classique. Allez Léon. Léon. Merci. Ok, Léon qui nous rappelle que quand même, rien n'est gratuit en ce bas monde. Et que la confusion existe encore. Putain, mais la confusion... Oh, c'est vraiment le pire truc, quoi, avant la sixième... avant la septième génération, c'est vraiment horrible. Ok... Il y a un truc qui est difficile aussi, dans cette génération, qu'on n'a pas encore eu... Parce que pour l'instant, je roule avec Elector. Mais je rappelle, nous n'avons pas de potions. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, j'avais pu me farmer pas mal de limonade au cinéma. Enfin, au Pokéwood. Ok. Allez. C'est parti, c'est Tipar. Bienvenue. Ici à Rosalia, les Pokémon sont vénérés depuis des temps immémoriaux. Tu veux pas avoir 3 Pokémon de type? Vas-y. On dit un Pokémon de type sol, un Pokémon de type vol et un Pokémon de type insecte-plante. Je m'entraîne ici depuis ma naissance. C'est ainsi que je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je sais qui pourra faire venir le Pokémon de la légende. C'est moi, je suis l'élu. Et tu vas m'aider à améliorer. Oh non. Mort ta mère, c'est parti. 5 Poké. Très bien, continuez. Bravo Mortimer! Allez! Continue mon bro! Continue Mortimer à m'envoyer de la mer! De la demeure! Ah oui, pas mal.
Chef Kiss. J'aurais tellement galéré sans surf. Hop là. Ah. Oh non, la ceinture force, bâtard. Ah non, Bémicle. Il peut me paralyser, on est en 6G, on est en 4G. Mais Léon Cruz ne sera pas paralysé. Non mais il a tanké, c'est insane. Vois le miroir. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Deoxys, ça fait toujours un peu peur, hein. Non, ça va céder. Alors, par contre, Deoxys défense, je sais pas si je le... Je pense pas que je le tue, hein. C'est sûr que je tue pas. Et il est plus rapide que moi. Il est plus rapide que moi. Comment ça? Hein? Pourquoi je suis ralenti? Et pourquoi je l'ai one-shot? Attends, il avait la... Vous pensez que c'était un Deoxys genre attaque ou vitesse? Et que c'était juste... Oh, Mom Arctic. Alors, Mom Arctic, c'est... Ça a une bonne... ça a la même... Je crois que ça a défense et défense spéciale de merde. Oui, ça a changé. Attends, pourquoi... Pourquoi je me suis fait dépasser par un Deoxys? Deoxys défense. Oh 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 oh. Après d'omniboost. C'est peut-être... Ah, c'est Deoxys standard mais le sprite est fixé sur la def, ok. Bah dans les combats doubles je pense. Ok. L'XP. Non mais surtout en fait le GOAT du let's play c'est surtout les restes, hein. Soyons très honnêtes. C'est le combo en fait, on a les restes. Oh voilà, Roserade son dernier poké. Niveau 38, hein. Vous voyez, là, l'XP machin, hein. Pas si gratuit que ça, hein. Hop là. Ah. Bon, il a fait doux parfum. Attends, mais d'où il tank ça? Attends, quoi? Roserade, mon bro. Pourtant, je me suis Ok. Et voilà. Nouvelle arène. Let's go. Allez, 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 allez. Champion Mortamer. C'est... Attends, mec blasé, c'est à quel niveau qu'il y aura que des Pokémon évolués en face de moi? Parce qu'en fait, pour l'instant, ce qui est très facile, c'est que j'ai un Pokémon évolué contre des Pokémon qui ne sont pas évolués, souvent. Voilà, je pourrais utiliser Surf. Et il me donne Balombre en plus. Bon, Balombre, ça peut carry de ouf si on chope un autre Pokémon. Pokémon secondaire. Ouais, j'aurais pu faire ça. Allez les boys. On est très très bien dans ce let's play. Surf égale plus aucun intérêt au challenge. Oui, Ayato, on connaît le challenge. Fildrong, si tu galères pas pendant 30 minutes de suite, eh ben c'est de la merde. C'est bon, calme-toi mon gars. Ne t'en fais pas, la difficulté arrivera. Tout va pas être gratuit comme ça pendant 2 ans. Tu pourras bientôt te mettre à spam. Hey, mon Goldrong, t'aurais pu faire ça. Parce que tu fais partie de ces gens, Ayato. Me dis pas le contraire. T'es exactement le gars qui, quand c'est trop dur, me dit, mais Fildrong, t'es nul. Et quand c'est trop facile, il dit, il n'y a aucun intérêt. Par contre, il te donne vraiment toutes les CT du jeu, quoi. Il me donne force. Bah voilà, c'est toi. C'était Ayato. Oh, regardez, il y a quoi dans la CT? Mais oui, il y a l'utilisateur Ayato. Le jeu est trop facile. Aïe, aïe, aïe.
Bon, qui va prendre force, Zoomdrong? Vous en faites pas, le jeu sera dur. Je vous rappelle que le but, l'objectif, c'est de battre Red. Hein. C'est du coup qu'il va avoir une équipe full niveau 100. Attendez, je vais peut-être me racheter. Je sais pas si j'ai des repousses. Sauf ça reste de la triche. Mais c'est pas ton challenge, c'est le mien, espèce d'enculé! Oh, excuse-moi, Jordan. Vous êtes chiant au bout d'un moment, laissez-moi jouer, non? Si... Vous êtes infernaux, c'est... Petit passier. M'énerve. Ne compare pas à ce Hayato STP, respecte-moi. Le montagnard. Petit passier. Pokémon Donjon Mystère est plus dur que ce jeu. C'est vrai. Il faut faire les 16 badges. Hein. Je rappelle que, en fait, si on a les badges vides, c'est parce que techniquement, c'est le seul jeu Pokémon qui finit vite, en fait, aussi. Alors, il faut qu'on explore le Mont Creuset. Ok, Farampe. Oh, mais on a déjà un starter plante qui est plus haut niveau. Qu'est-ce qui est de la triche dans Pokémon? Les Pokémon sauvages sont pas trop bas niveau. Si, les Pokémon sauvages sont très bas niveau dans le jeu. Et en fait, c'est ça le problème dans ce let's play, dans cette aventure. C'est qu'on va... On est certes très... Je ne sais pas du tout où je vais, hein, mais... Où est-ce que je suis? Petit passier. Boue, les rageux boue. Oh, Tritosaur. Oh, un deuxième super bonbon. Un deuxième super bonbon. C'est mon deuxième. Oh, la chance, parce que c'est, ouais, c'est aléatoire. Merci. Oh, ça, c'est trop bien, par contre. Bon, attendez, on va avancer pour le let's play, je pense. Je vais utiliser des repousses. Mais je crois pas que j'ai besoin d'aller là, mais il doit y avoir quelques dresseurs. Attendez. Il doit y avoir quelques dresseurs ici. Oui, c'est ça. Donc il faut que j'explore. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es chiant, Hayato. Vas-y, tu sais quoi, t'es ban, j'en peux plus de toi. Ce coup-là, c'est Hayato qui a raison. Oui, c'est sans doute ça. C'est mon challenge, laissez-moi jouer comme j'ai envie, non? Surtout, s'il vous plaît, ne faites pas de dons pour me contredire. Oh mon dieu, quel enfer! Laissez-moi jouer ou j'arrête le stream. Non, je vais pas laisser deux relous gâcher le plaisir de 5000 personnes, vous en faites pas. Et ça suffit. De toute façon, je les banne, le gars, donc... On perd du temps, en fait. Sujet suivant. Non, mais en plus, vous voyez, le truc, c'est que... Est-ce que vous l'avez vu, l'autre connard de Hayato, là, hein? Hein? Quand Diamat avait surf, vous pensez qu'il était en train de dire « Oh là là, ta surf, c'est de la triche !» Non, il était en mode « Ulcruz est trop fort, il a vaincu avec surf !» Et là, bizarrement, c'est un électeur. Bah évidemment que c'est plus fort, mais c'est pas moi qui choisis les starters. C'est du random. Donc c'est juste, en gros, si c'est trop facile, bah je vais me faire foutre. C'est ça qui est relou avec vous. Vous avez pas d'équilibrage. Bon bref, allez, je suis désolé, c'était nul, on change de sujet. J'essaye de bloquer les rageux dans ma tête, mais vous savez, c'est pas facile. Je suis quelqu'un qui a besoin de... Qui a besoin d'expliquer aux gens, tu vois, mais... Allez. Reprenons le live. Donc, du coup, j'étais en train de dire, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout où je suis, je ne sais pas du tout ce que je dois faire.
Je sais juste que là, je suis en train d'explorer la zone. Et il faut que je batte les dresseurs. Tu vas revenir sur les grottes du début avec Surf ? Si, mais on fera ça plutôt genre sur Twitch parce que... En fait, ce jeu est... reste assez libre. Mais je veux juste battre le plus de dresseurs possible. Petit passier. Hashtag libéreur Ayato. Non. Beaucoup ont été frustrés que les légendaires soient autorisés. Mais alors c'est très bien parce que ça les trie, parce que moi j'ai pas envie d'avoir des gens qui sont qui ont des systèmes duo neuronal dans le cerveau quoi. Petit passier. Si vous voulez voir un streamer galérer, allez voir un stream Iron Man. Je vous en supplie, arrêtez de faire des dons pour continuer le débat. C'est chiant. Lusio, t'es chiant. Je veux pas. Arrêtez. Arrêtez d'en parler. Dans les deux sens, en fait. Arrêtez d'en parler. Ça suffit. Le seul truc dans mon chat, c'est ça, là. Je sais que c'est un peu ma faute à la base, mais je vous ai demandé d'arrêter. Bon, en attendant, je suis en train d'explorer une zone, mais je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Tu es beau, mon fifou. C'est gentil, maman. Mais attends, mais je vais où, là? Je suis complètement perdu. Bon, vous savez quoi? On va sortir d'ici, parce que je crois que la zone n'est pas très intéressante. Où suis-je? Mais c'est pas... Là, c'est pas genre la 7ème arène? Après, techniquement, est-ce qu'on peut pas avoir le Léviator, là? Petit passier. J'avoue, je me rappelle plus où on va après. Lusio, on n'y peut rien s'il triche, frérot, il faut le dire quand même. Vous savez quoi, je fais la grève. Je joue en silence. Regardez, il y a Hippodocu, je l'aime bien. Ah, mais je peux pas surf encore. Je peux surf ou pas? Mais oui, je peux surf. Eh, n'empêche, je surfe sur mon Elector. Ça, c'est stylé quand même. Je vous demande de vous arrêter. Après, on optimise l'XP, mais je sais. Je me demande si je peux pas déjà faire les. Oui, je peux utiliser surf. Elector plongé. On va mettre plongé à Elector et ce sera encore de la triche. Oh non. Oh oui, si. Si je trouve des objets près de l'eau. De petit passier. Merci. Où penses-tu faire un let's play sur Pokémon Rejuvenation? C'est pas prévu. De petit passier. Là, il y a une zone aussi. Plus petit que 3. Oh, il y a tellement de zones dans le jeu là qui s'ouvrent. De petit passier. Tu peux avoir un Magikarp niveau 50 dans le lac de Léviator. Trop bien. Petit passier. Coucou Fifou, direction Oliville pour la suite. Mais je vais au mauvais endroit en fait. Petit passier. Justice pour Ayato. Fou cette casse-couille, hein. En vrai, arrêtez, c'est chiant en fait. S'il vous plaît. Que dit un escargot quand il croise une limace? Au label décapotable. Petit passier. Guillemets double point 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 point. Arrêtez. Point 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 guillemets double. Bili 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 bili. Attendez, j'ai un truc à vous montrer, s'il vous plaît, deux secondes.
Et après, ce sera le seul truc que je dirai dans ce débat, là. Ça fait depuis tout à l'heure que j'essaie de préparer ça en même temps que je joue. Ok. Le 29 mai 2020, donc il y a 4 ans quasiment, j'ai fait une tier list des légendaires. D'accord ? À quand Massuliano sur Elector ? Ça serait cool. Et voilà la capture d'écran de la tier list de 2020. Qu'est-ce que vous voyez en haut de ma putain de tier list des légendaires que je préfère ? Merci. Maintenant, fermez vos gueules! Si vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous! Petit passier. Vous êtes en train de me gâcher le plaisir! Est-ce que c'est une rediff? Oui, c'est une rediffusion! alors, est-ce que vous pensez que ça se fait d'aller chercher le Léviator? Les Pokémon vont pas être trop haut niveau? J'ai peur en vrai, hein. Techniquement, j'y ai accès tout de suite, donc il y a un monde où les Pokémon sont pas trop haut niveau. Ça va. Est-ce que les modérateurs peuvent genre faire de la modération, s'il vous plaît, merci. Ah oui, le Team Rocket me prend mes... Autre oui. Sujet, quel est ton avis sur Jean-Louis Borloo? Je pense qu'il a vieilli. Petit passier. Non, il faut pas que je passe par le... Je connais. J'ai pas encore changé d'heure. Ouais, il faut qu'on aille chercher le Léviator. Mais en vrai, s'il est niveau 50, je vais me faire casser le cul, non ? Chat, spammer fifou de cœur. Ouais, j'avoue, en fait, non, je suis peut-être trop bas niveau encore pour ça. Il va prendre hâte. Non, merci. Petit passier. Le Léviator va être randomisé. J'aime le concept. Mais en vrai, si le Léviator est trop... Oui, non, mais là, c'est... je me fais racketter ici. Les Pokémon sont haut niveau ici ou pas? Il est niveau 30. Ah, il est pas niveau 50. Ok. Il est niveau 45. Il est niveau 30. Ah merde! Merci pour le sub offert à... 30 voire 1,5 égale 45. Non, c'est mignon, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais d'accord, il va pas être niveau... Il va être haut niveau, mais j'ai il va pas être... J'ai oublié de saluer mon bro qui s'est pris un TG de ta part sur X. J'aime. Ah, bravo. Oula, il m'a maudit. Non, il sera pas niveau 45. Ça marche pas comme ça, l'XP. C'est pas linéaire, l'XP. En fait, 30 fois 1,5... Ne t'énerve pas. Reste au non, calme, je veux pas être ton ami. Garde à l'esprit que la pire des insultes est l'indifférence. Oui, mais moi j'arrive pas à indifférencier. Check les DM. Petit passier. Ton avis sur les Pokémon qui ont explosion? Plus plein de cœur, plus petit que croix. Le Pokémon là, il va être niveau 40. La question c'est est-ce que on tente le Pokémon niveau 40? J'ai un peu peur, hein. Sympa. Oh. Petit passier. Il y a juste un Magikarp niveau 50 plus Léviator niveau 30. Ouais, alors le Magikarp niveau 50, en vrai, c'est peut-être lui qu'on veut dans l'équipe, non? Par contre, si le Pokémon est... En vrai, je sais pas, les gars. Bah, ok.
Il y a une petite chance d'avoir un Magikarp niveau 50 dans ce lac. Mais le problème avec un Magikarp niveau 50 en random, c'est que déjà, il va avoir des niveaux boostés de ouf. Donc, il va être genre niveau 60. Et en plus d'être niveau 60, ça va aussi être un Pokémon extrêmement potentiellement dangereux. Ça veut dire que, imaginez le Pokémon niveau 75 ou 70. Ils sont... c'est genre un Dialga et j'arrive pas à fuir et je prends un hurletant. Hein ? C'est peut-être un peu tôt pour aller là, non ? Le but, c'est de gagner. J'ai fait découvrir tes Nuzlocke à mes potes, ils sont accro maintenant. C'est gentil, merci. C'est dangereux quand même, hein. Mais si le Pokémon est shiny, la règle dans le Iron Man, c'est que tu as le droit à un shiny. C'est pas Bomberk ici ? Ah non, c'est Sombre Boule. Ce sera juste le début d'une nouvelle aventure. Je pense que... C'est un vrai débat en vrai. Hein. Le Magikarp LVL 50 est sur cette route, pas dans le lac plus randomisé. Comment ça, sur cette route ? Il est pas dans les herbes. Prends pas le shiny. Surf avec repousse, tu as 1% faible d'avoir un LVL 50. Ouais, j'avoue, ça peut être stylé de ouf de faire ça. Hein. T'as pas une boule fumée ? Est-ce que j'ai une boule fumée pour fuir ? Je crois pas que j'ai la boule fumée. Pas dans ce let's play. Je l'avais eu dans l'autre. Non. T'as le téléporte pour fuir. Ouais, mais non, parce que téléporte, c'est une attaque. Donc, je vais pas pouvoir fuir. Est-ce que j'ai une poképoupée ? Ah oui, j'avoue. Attends. Poképoupée. Après, si j'y vais en mode je vais déjà lose, autant ne pas y aller, tu vois ce que je veux dire ? Non, j'ai pas. Bon, vous savez quoi ? Je vais garder le... On va regarder le Pokémon niveau 40. C'est un Pokémon niveau 40 dans la team, ça pourrait être vraiment cool. Mais non ! Ils ont pas genre... C'était pas pire avant ? Il me semble qu'avant c'était beaucoup plus cher, non ? Crois-moi, le Léviator t'aidera. Petit passier. J'ai monté au mauvais endroit. Bon, non mais ça va. Bonne soirée et bisous à toi, Fifouninette. Merci. Petit passier. Le LVL 50 est dans le point d'eau sur la route où tu étais. Ouais, mais je pense que je vais pas le tenter le level 50. On va aller voir le Pokémon très haut niveau par contre. Ça va, c'est que 1000 dans cette version. Je suis sûr que dans Pokémon de base, c'est beaucoup plus. C'était 1000 aussi ? Ok, d'accord. Dans Crystal, c'était 1000. Ok. Bon, ça va. Je pensais que c'était beaucoup, mais non. Mais réveille-toi, connard ! De toute église de merde ! Mais réveille-toi ! Bon, merci, Kido. Reprise de l'alternance égale petit don. Bravo à toi, merci. Contenu offert plus petit que 3. Ok, vous êtes prêts ? Ça va être là, hein. Oh, y'a pas pété ici ? La maison du maître pêcheur. On peut avoir une canne à pêche. Oh, y'a tellement d'options sur les zones, là. Merde. Ah, y'a pas pété ? Je le tente ou pas ? En vrai, si le Pokémon est un shiny, c'est excellent. Hein. Parce que je rappelle, les shiny, t'as le droit de les capturer. Ou de les tuer en bonus. Bon, alors, il y a Hyporoi, c'est stylé. Fais gaffe à la reine. Ouais, t'inquiète. J'ai un peu peur, mais... Ouais, j'avoue, j'ai un peu peur en vrai. C'est Nosfera Jean-Pierre. Ernestine Shiny.
Ernestine niveau 45 shiny. Let's go. Oui, je le veux dans l'équipe. Ok. Parfait. Oula. Évidemment, le seul Pokémon que je pouvais capturer est ici. Et c'est pas une zone. Ce n'est pas une zone parce que c'est un shiny. Il file droit que tu triches, tu exploites les jeux. Excusez-moi. En vrai, y a personne qui a... personne n'a fait de commentaire, donc. Ok. Alors, c'est pas si ouf que ça parce qu'il faut que je le fasse évoluer. Mais ça nous donne un deuxième Pokémon éventuellement. Si on perd Léon Cruz, ça peut être pas mal. Parce qu'il est niveau 45. J'espère que Ernestine ne va pas mourir. Ernestine, hop là. Oh, on va le mettre dans l'équipe, lui. Hein. Allez, Elector, ça dégage. Ça a quoi, les cailles rouges, déjà? En fait, je sais plus s'il y a des dresseurs, des trucs à Opti, ici. Oh, j'ai trop envie d'aller voir le Pokémon niveau 50, les mecs, mais... C'est trop dangereux. Chromastine. Ah oui, mais non, mais en let's play, c'est pas que des Chromastine, c'est des Ernestine, c'est vrai. Il y a un seul Chromastine. En vrai, il y a un truc qui... Ah putain, c'est trop stylé ça, c'est vrai. Il y a un truc qui est vraiment cool dans le jeu, c'est que... T'es... Oh, un soda cool, j'ai de la chance là. C'est que t'es quand même vachement libre, je trouve. On va pouvoir explorer plein de trucs après. Tu enchaînes les triches qui poussent, c'est désespérant. Merci, tricheur. On va utiliser un repousse, je pense. Ah, c'est pour le multi-exp. Multi-exp nous permettrait d'avoir un Florizarre. Si j'accepte de donner un peu d'expérience. Bon, en vrai, ici, il y a des dresseurs ou pas? Bon, vous savez quoi, on va essayer d'avancer l'aventure quand même. Ah merde, j'ai enlevé téléporte. Moi qui étais tout fier de... Oh, y a pété. Ce Léviathan rouge n'était pas normal. On a beau dire, mais je suis sûr que c'est à cause des manigances de quelqu'un qu'il a évolué comme ça. Es-tu ici à cause de la rumeur? Tu es fifou, je suis pété, un dresseur comme toi. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Je t'ai vu combattre, on peut dire que tu ne manques pas de talent. Que dirais-tu de me prêter main forte? Non. Bon, on peut y aller, mais c'est un peu tôt, non? Ne t'énerve pas. Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux... Après ton troisième Pokémon préféré, voici le deuxième. Scorbunny. Ouais. Mais les gens n'acceptent pas que Elector soit mon troisième Pokémon préféré, donc on va arrêter de le dire. C'est interdit. Pauvre Scorvol. En plus, Elector. En plus, c'était mon Pokémon préféré pendant toute mon enfance parce que Ernestine Nostanfer, c'est venu assez tard. C'est venu notamment à cause de mes Nuzlocke que je faisais hors live, mais genre dans les années 2008, quoi. 2008, 2009, 2010. Et Scorvol, ça date de la 4G, donc c'est vachement récent aussi. Et pendant genre quasiment 10 ans, c'était Elector mon Pokémon préféré. Mais ça, les gens dans le chat. Il préfère être méchant avec moi. Comment on va là? Ah oui, il faut escalader. Eh, y a pas Suicune ici, un endroit? Si, y a Suicune à un moment ici. Ici, on n'a pas eu de Pokémon aussi, de zone. De toute façon, on gérera ça après. On gère sur Twitch les zones. C'est plus simple. Attends, on peut aller en bas par contre. Y a quoi en bas? Y a R. Top 3, 3 types vol. J'adore le type vol. J'adore les piaf. Ok. Du coup, c'est à gauche, faut aller à Holyville. C'est vrai, en vrai, quand Johto, c'est vraiment une zone minuscule, en fait. C'est vraiment pas grand. Hein. De type passier. Le vrai tricheur, c'est moi. C'est vrai, j'ai la ref. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau ici? J'ai voyagé, je connais plein de Pokémon. Nice.
Pas mal. Ça devrait nous donner pas mal d'XP en plus. C'est quoi votre type préféré dans le chat? En général, c'est ténèbres ou dragon et feu. Feu, eau, ténèbres, dragon. Plante, c'est rare, je pense. Insecte, qui a le type insecte comme type préféré? Personne. Sol, feu. Moi, je pense mon type préféré, c'est vol et ensuite c'est sol. Vol et sol, mes deux types préférés. Et j'aime bien le type poison en vrai. Il y a beaucoup de types poison dans mes Pokémon préférés. Et de Pokémon en thème avec le poison. Il y a beaucoup de eau, il y a beaucoup de sol et de électrique aussi que j'avais pas pensé. Propribrum. Spectre aussi. Ok, le seul type que j'ai pas vu encore, c'est insecte. Oh, il y a un mec qui a dit moi c'est insecte. Il est bizarre. Ne t'énerve pas, reste calme, tu as changé. Ah, j'ai raté le début du live. J'espère qu'il n'y a pas eu de... Pour l'instant, ça se passe très bien et ça se passe trop bien. Et du coup, il y a des gens qui ragent un peu, mais bon, c'est pas grave. Les garçons ont tendance à m'offrir plein de trucs après un combat, mais ça commence à faire beaucoup. J'essaierai de m'en mettre un peu de côté. Oui, je prends ton numéro. Tu es vraiment une pépite du stream. Merci pour ton contenu. Pépite de chocolat collée au fond de ton slip à la fin de la journée. Ça me définit bien. Le type normal en type préféré. Type normal, ça doit être chaud aussi. Hein. J'avoue. Oh, il y a quelqu'un qui dit blonde avec les yeux bleus. Quel enfer. Ok, là, rien. Par contre, je peux... Tu connais le professeur Chen? Non, je veux pas. Non. J'aurais bien aimé rencontrer le professeur. Mais va le voir, il est pas loin. T'es Mimi comme dresseur, je peux voir ton équipe de professeurs. C'est vrai, tu me trouves Mimi. Canon Cléo. Léon Crouse trop haut niveau. J'espère que vous avez aimé l'histoire stratégique montée de Alligator. J'ai un arcanin tatoué sur le bras. Ça annonce la couleur X. Toi aussi, t'aimes bien le type furry? Elle veut pas mon numéro quand même, hein. J'aurais bien aimé qu'elle prenne mon num. Le canon Cléo, là. La roche lisse. Wouah, Lucario. En vrai, vous faites les fous avec Surf, mais spoiler alert, j'ai tellement de niveau d'avance que vous en faites pas éclair one shot. Hein. J'ai genre deux fois les niveaux, c'est stabé, je suis un électeur. C'est juste, j'utilise Surf par défaut parce que c'est la meilleure attaque. Mais... Oh! T'étais pas loin, mon bro! T'étais pas loin du tout! Merci. C'est vrai que... Alors Palkia, on dit quoi? Hop là, on dit coup critique, mon bro. Et niveau 45 sur Léon Cruz. En vrai, c'est vrai que techniquement, je pourrais... Je pourrais sans doute... Oups, j'ai fait aéropic. Je pourrais sans doute donner un peu d'XP, mais j'ai pas le multi-XP encore. Mais je l'aurai bientôt, en vrai. Ok, donc t'aimes bien les insectes.
Alors sachez que les types préférés de un mec blasé, c'est normal, insecte et vol. Après, il est vraiment bizarre, ce mec. Vu que je le connais un peu, c'est vraiment un mec étrange. Un type normal, le type préféré. Et ensuite, insecte, c'est vraiment le mec edgy, tu sais, en mode, moi j'aime pas le type. Moi, cette explosion, car c'est stylé en bio. C'est Macron qui explose. Attends, mais comment on va là? Ah, il faut escalade encore. Oh là, il faut escalade partout. On va avoir du lémeumeu. Oh, ce truc dans ta main, c'est un Pokédex. Je m'appelle Baobab. Je bénis ton stream, tu n'auras aucun mort. Merci, ange de la... Oh, l'ange de la vie! Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'étranger pour étudier, puis j'ai créé un nouveau parc Safari et Irizia. Faut qu'on échange nos numéros. Non. Non. Je ne m'attendais pas à un refus. Non! Non! Putain, t'es obligé à chaque fois, c'est chiant. Imagine ton Pokémon préféré, c'est Roucarnage Rédemption. C'est juste Léon Crousse qui est trop fort. En fait, je vais vous dire le vrai problème de ce let's play. Si vous voulez de la difficulté, c'est pas la faute de Elector, c'est pas la faute de Surf, c'est pas la faute des restes. C'est la faute du jeu, parce que quand tu bats Mortimer, il a des Pokémon niveau 40. Mais quand tu bats des dresseurs après Mortimer, ils ont des Pokémon niveau 26. Est-ce que j'y peux quelque chose? J'y peux rien. Il faut bien que mon Pokémon soit plus haut niveau que le Pokémon le plus haut niveau possible. Je vais pas aller contre un champion d'arène avec des Pokémon niveau 30 quand lui, il a des Pokémon niveau 40. Donc j'y peux rien, moi, si le jeu est mal équilibré. Plaignez-vous de Game Freak, quoi. Regardez, en plus, cet écrémeux ne donne plus de lait. Oh, attends. Il faut combien de Béoran? Est-ce que je pourrais lui donner assez de Béoran pour avoir des lémeumeux? J'ai 3. Il faut combien de... Oh, putain, en vrai, il y a un monde. Mais je sais pas comment tu plantes des baies dans ce jeu aussi. Oh, ton broche, ça, c'est cool. Tu vas faire le Pokéathlon? Ouais, on ira faire un tour après sur Twitch. Et voilà, on est à Olyville. Putain, mais les... Enfin, c'est abusé comment les zones sont minuscules dans le jeu. Ah, il en faut 10. Je pense pas qu'il y aura un monde où j'aurai 10 Béoran. Mais si on arrive à avoir 10 Béoran, je pense qu'on a des lémeumeux en cadeau. Donc, on va essayer de pas trop utiliser les Béoran. Ah, il donne pas de lémeumeu. Ah, utilise le plan de baie. Je crois pas que j'ai le droit d'utiliser le plan de baie, hein, pour le coup. Sinon, ça voudrait dire que techniquement, si je prends le temps, si je fais des farms de 8 heures... Je t'aime, Scorvol. Mais j'aime encore plus Surf. Petit passier. T'as pas à te justifier, tu nous offres de super moments de détente. Mais je sais, mais j'aime pas quand les gens comprennent pas. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ça va les bros? 5 niveaux avant coup de jus. Putain, si on a coup de jus surf, aéropic, et après il apprendra Begvrille. J'ai un massacre autour du trou de balle et un triopiqueur ailleurs. What the fuck? T'avais pas fait un live sur Dragonfly Cave pour la liste de tes Pokémon préférés qui finissaient par Elector et Scorvol? Mais... Oui! Je veux dire, ça fait depuis que je suis YouTuber que je dis que mes 3 Pokémon préférés, c'est Elector, Scorvol et Nostanfer. C'est pas dur! C'est juste que les gens sont choqués, en fait. Ils aiment pas l'idée, en fait. Ils aiment pas l'idée que je galère pas, mais... Je veux dire... Moi, mon but, c'est de réussir un Ironman. C'est pas de...
Sinon, je fais des nuzlocke en fait quand je veux créer des histoires et tout, et des trucs en mode oh là là, regardez ce Pokémon. Là, je veux juste dire j'ai réussi un Iron Man, tu vois. Et si c'est dans les, si c'est dans les règles, je vais exploiter les règles. C'est tout. Voilà. Mais je sais, j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui étaient pas contents. Oh non, pas le rival. Il m'affronte ou pas? Tu commences vraiment à courir, je veux pas me battre contre des moucherons. Le champion de la ville n'est pas là, il est au phare. En train de s'occuper de Pokémon débiles! Ils servent à rien s'ils ne peuvent pas se battre. Et toi, si tu allais prendre des leçons au phare, tu pourrais peut-être t'améliorer. Mais c'est vraiment le mec le plus imbitable de la Terre, en fait. Il est exécrable. Ah oui, c'est vrai, c'est l'arène la plus nulle de la Terre aussi. Il y a juste un couloir. En fait, c'est parce que l'arène, techniquement, c'est le... Est-ce que je peux acheter des super repousses et des hyper balls ou pas encore? Non. C'est le phare à on. Bonne ref. Les gens s'entraînent. Allez, c'est parti pour le phare. C'est pas lui là qui donne le plus d'argent dans... Y a pas une histoire comme quoi c'est le gentleman qui donne le plus d'argent ou un truc comme ça? Genre là, il m'affronte avec un chenipan. Je prends pas Ernestine au PC. Si, mais là on va avancer là. En vrai, s'il y a un monde où on fait un troisième badge ce soir, j'aimerais bien push. Vous pensez qu'on peut? Je pense qu'il y a un monde où on peut. Faut le scroll sur la boutique. Ouais, mais... Ah oui, t'as raison. Okay. Je sous-estime pas le pouvoir de Chenipan. Épique Chenipan Sweep. Vous savez quoi? On tente de speedrun jusqu'à l'arène. Je pense que ça le fait. Impossible ce soir. Ah oui, c'est vrai, je dois aller chercher le... Oui, t'as raison. J'avais oublié. Petit passier. Pas de rage, t'inquiète, Fifou, je suis un fervent fan YouTube, Twitch et Norchi. Oui, bah écoute, tu m'as gâché mon stream, donc j'espère que tu t'en rends compte. Donne-moi ton numéro. Non! Non! Je veux pas. Oui, non, il faut surfer, il faut faire la route et tout, donc on n'aura pas. Mais on peut faire le phare, on vise le phare. Oh, le nombre de pokés du gars. Merci Greg Cassé. Merci, je suis désolé, il y a eu beaucoup de dons de 1 et 2 euros et tout, mais j'ai essayé de me concentrer pour pas exploser. Ouais, je comprends pas pourquoi le... là on avait un autre Deoxys, donc bon, c'est bizarre. Ton quatrième Pokémon préféré, c'est Cizayox. Mon quatrième Pokémon préféré, c'est Hippodocus, et ensuite c'est Pangoléon, ou vice-versa. Mais en ce moment, j'ai Terrestre qui est en train de remonter dans mon classement des Pokémon préférés. J'adore Terrestre. Je pense que Terrestre est en train de détrôner... Bah, je sais pas trop, en vrai. Moi, j'avais déjà avoué aux gens, j'aime un peu moins Scorvol qu'avant. Je me demande si mon Pokémon préféré, c'est pas en train de devenir Nostanfer. À cause des lives, en fait. Parce que, en fait, il y a eu trop de moments stylés avec Ernestine. Et du coup, je crois que c'est Nostanfer qui est en train de progressivement devenir mon Pokémon préféré. Puis j'ai eu Chromastine aussi. Alors que Scorvol, il a pas bougé, tu vois. Il est toujours resté au même niveau d'amour dans ma tête. Mais Nostanfer remonte avec les années, en fait.
Ouais, Scorvol, c'est un peu cancer en strat, alors que Nostanfer en strat, c'est cool. Petit passier. 4 ans que je te suis, je kiffe toujours autant fait le best du best. Merci Walid, c'est super gentil. Grenipio ? Qui va gagner ? Désolé si ça t'a énervé au fond, il y a que de l'amour promis cœur carte. De type passier. Tu aurais envie de faire une suite à Salty Platinum ? C'est pas moi qu'il faut demander ça, mon gars. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Hein. Vite ! Oh oui, je me rappelle, j'étais resté bloqué ici. Qui est resté bloqué et n'arrivait pas à monter à cause du fait que la porte est extrêmement mal indiquée? Me dites pas que je suis tout seul. Franchement, la première fois que j'ai joué à Heart Gold Soul Silver, j'étais stuck ici. J'arrivais pas à bouger. Horrible. One shot le Motisma, quoi. Vous savez où j'étais stock, moi? J'étais stock dans la machine à laver, Step Bro. I'm stuck, Step Bro. Est-ce que vous aimeriez m'avoir en stepsister? Léon Cruz, niveau 47. Putain, bientôt, bientôt coup de jus. Quand on aura coup de jus, ça va être difficile de trouver des Pokémon qui sont forts contre nous, je vous avoue. Putain, la chute que je fais, j'ai pas mal, hein. J'étais stuck dans Motisma. Faut être honnête, oui. Merci les bros. Enfin, les step bros, du coup. Faut jamais rencontrer ces héros. Évidemment, hein, vous pourrez retrouver mes nus dans mon profil. Mais en vrai, ça marche que sur Twitter de faire cette blague parce que les gens qui n'ont pas Twitter ne connaissent pas. En gros, pour ceux qui savent pas, en ce moment, Twitter se fait littéralement spam de bots. Et à chaque fois que je fais un tweet, il y a, un bot qui fait « mes nus en bio ». Et c'est trop chiant. Marin Noé. L'herbe blanche. Putain, on a des objets pas mal en vrai. Sur YouTube. Ah ouais, les bottes de cul sur YouTube aussi. Votre contenu est... It's you again. Eh oui, mon frère. Je suis venu te vaincre. Je n'ai jamais oublié la fois où tu t'es moqué de... Léon Cruz, niveau 47, says no to the lore. Courillon. Allez, je vais faire sort. Ça fait longtemps que j'ai pas fait sort, vous avez vu. Surf.
Ok, je crois qu'on y arrive là. Jasmine! Putain, mais c'est vrai qu'il y a 300 milliards de. De petits passiers. What are you doing, Steppy Bro? Non, non, promis, je ne pense pas le coquillage. Moi, j'ai appris des choses sur moi. Ok, vous voulez un truc trop mignon? Il y a un gamin. Enfin, un gamin. Il y a. Pardon. Il y a un abonné qui m'a envoyé la pièce d'identité de son gamin qui est tout jeune, qui a genre quelques mois, qui a sa première carte d'identité. Et il l'a nommé. Il lui a donné en troisième prénom ou deuxième prénom Quentin, qui est mon prénom. Et. Je sais. J'ai pas la confirmation que c'est. Pour moi, tu vois, mais le mec, quand même, il m'envoie une photo de carte d'identité de son gamin et il m'entoure en rouge. Il s'appelle Quentin comme toi. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de me dire j'ai donné le deuxième ou le troisième nom de mon gamin en ton honneur? Ou est-ce que juste il dit oh regarde, c'est marrant, c'est une coïncidence? Je suis pas sûr, mais j'avoue que j'ai trouvé ça adorable. Voilà. Fini cette phrase. Non mais c'est bon quoi, j'ai fini la phrase, vous êtes content? Malaise. Bon non, ça va, c'est pas le premier nom, c'est le deuxième nom. Je veux dire, moi, mon deuxième et troisième nom, c'est le nom de grand-père que j'ai jamais connu. Que je sais même pas où il vivait, qui ils étaient, quel métier ils faisaient, j'en sais rien. Donc je veux dire, tant qu'à faire... Ça peut bien être un mec que tu regardes, non? Je sais pas. Salut Jasmine! Ce Pokémon éclairait la mer, il est tombé malade! Allez, je t'ouvre le passage ici. Merci Jasmin! Je vais chercher ton médoc. Le charbon. Voilà, on a fini le phare. Ah, on. Mon fils s'appelle Fildrong. Ah ouais, trop bien. En vrai, un électeur tout raide, ça ferait une super planche de surf. J'avoue. Didou didou dou. Moi, je trouve ça mignon. Hein. Donc du coup, là, il faut qu'on aille chercher le machin, le machine. Ici, normalement, tu peux acheter les super machines. Ah non, super repoussement. Heureusement qu'il n'était pas fan de Norman. Utilise tes super bonbons. On pourrait utiliser nos super bonbons, mais ça servira à rien. Sur le fait que ça soit toi le père. C'est vrai. Mais je suis votre père à tous. Hein. Je rappelle. Bon, bah écoutez. Petit passier. Go appeler nos fils branletto. Oh non, pitié. C'était mignon, vous n'êtes pas obligé de tourner ça en mode bizarre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais m'excuser envers les 99,99999% de gens qui sont adorables et qui kiffent. Et je voulais m'excuser de me focus toujours sur un commentaire débile. Je le fais moins qu'avant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je le fais moins qu'avant. Mais il y a des fois, ça me frustre. Et le mec spammait dans le chat et je sais pas, ça m'a énervé. Mes modérateurs n'ont pas fait beaucoup de travail. Mais on les aime quand même. On passe sur Twitch. On a beaucoup de choses à explorer. On va faire du Pokéathlon aussi, je pense. En vrai, un petit tour au Pokéathlon si vous voulez. Et on a fait beaucoup de zones, donc du coup, il faut qu'on check un peu les zones. Je vais mettre Chromastine aussi dans l'équipe. Enfin, on va faire plein de trucs. On se retrouve lundi prochain. Mais d'abord, j'ai quand même un petit programme un peu cool pour cette semaine. Déjà, ce week-end, je suis à la convention de Charleville-Mézières, le Game Fest. Ensuite, nous allons faire le live sur le Soulink avec Redemption demain mardi soir. Du coup, ce sera sur YouTube. Voilà, donc demain sur YouTube il y aura un autre live et je mettrai la rediffusion de toute façon ce week-end.
Et enfin, jeudi soir, c'est plus pour la communauté Twitch, mais je l'annonce quand même ici, parce que c'est un live quand même que je trouve cool. Il y a des abonnés, je leur ai demandé de m'envoyer leur collection de cartes. D'ailleurs, si vous voulez le faire, vous pouvez me contacter sur Discord, envoyez-moi votre collection de cartes. Genre, vous mettez ça sur un lien Drive ou sur un lien à télécharger et tout, avec votre pseudo. Et je télécharge les collections et puis on va les regarder en live tous ensemble et on va s'extasier devant vos belles cartes. Voilà, et ce sera jeudi à 21h et vendredi je serai pas là. Et la suite de l'aventure, lundi prochain, je vous fais des énormes bisous. Encore désolé pour la réaction face aux trois relous. La semaine prochaine ça ira mieux, vous en faites pas. On se retrouve tout de suite sur Twitch et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.